Voilà, bonjour et bienvenue donc sur Project Zomboïde. Il est 6h du matin, je viens de passer la nuit au premier étage d'une maison. J'ai mis des draps aux fenêtres, donc vous pouvez faire ça, donc ouvrir les rideaux, vous voyez. Je peux ouvrir les rideaux, il est 6h, il est 6h40 maintenant, et je peux les fermer aussi. Alors pourquoi ouvrir et fermer? Ben parce que tout simplement, quand je ferme les rideaux, cela me permet la nuit, si je veux, d'allumer la lumière qui est ici. Et je ne serai, et les zombies ne seront pas alertés, on va dire. Voilà, donc l'inventaire est pas mal. Vous avez ici un inventaire de ce que vous trouvez. Vous avez ici un inventaire de ce qu'il y a sur les objets dont vous interagissez, dont vous interactez avec, un truc comme ça. Donc vous pouvez cliquer ici et vous allez dans le frigo. Exemple, il y a brocoli, œuf. Donc l'œuf, ils disent attention, dangereux, cru, c'est dangereux. Donc à vous de voir. Donc vous faites un clic. Après, si vous voulez prendre quelque chose, vous prenez et vous mettez dans votre inventaire. À savoir que si c'est de la viande, vous ne pouvez pas trop le garder sur soi. Ou quelque chose de frais. Donc vous avez plusieurs choses. Là, ce que j'arrive pas trop à faire, c'est, je vois ici qu'il y a une cuisinière, je peux l'allumer. Ce que je peux faire, je peux remplir. Alors, est-ce que je peux... Alors, avec... Il faut aller dans... Hop là. Il faut aller avec la bouteille d'eau, je crois. Peut-être. Où est-ce que... Cette bouteille d'eau, voilà. Là, je fais clic droit sur bouteille d'eau. Verser dans le bol. Ok. Donc, maintenant, je vais aller dans le bol. Et dans le bol que j'ai pris, voilà. Je peux faire quelque chose maintenant. Donc, je vais aller voir. Clic droit sur le bol, je peux verser le bol, utiliser le jet secondaire. Je pourrais faire, mais j'en ai pas, des haricots. Je pourrais mettre des haricots dedans. Par contre, là, j'aurais voulu le faire chauffer, mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose d'autre à faire. Donc, on va éteindre ceci. Voilà. Voilà. Au début du jeu, parce que vous dites que ce personnage, en fait, qui c'est, bah en fait c'est, bah, lui c'est un chômeur tout simplement, et il est aléatoire, donc il s'appelle Robert Neville, et il est assez robuste, mais il a un surpoids aussi, voilà, donc il mange pas mal, voilà, et donc vous atterrissez dans un endroit X ou Y, hein, et vous allez aller dans, exemple, dans cette maison là. Alors je suis rentré par la porte parce que si vous rentrez par les fenêtres, il y a une alarme qui se déclenche et donc ça attire les zombies. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes dans ce jeu. Vous avez un mode survie, un mode sandbox et un autre mode, je n'ai plus le nom en tête. Donc là je suis en mode sandbox, ce qui me permet de gérer la quantité de zombies. Donc j'en ai mis beaucoup moins pour être tranquille, pour que ça soit jouable aussi. Puis comme je suis pas trop familiarisé avec le jeu, donc là vous voyez, ça vous permet, voilà, de trouver des cigarettes, de la farine, des fourchettes, du beurre de cacahuète, je vais prendre ça, un crayon, une tasse vide, fourchette, alors peut-être une tasse, je vais la prendre parce que ça va peut-être me permettre, donc quand vous courez vous faites du bruit, enfin attention, ça va peut-être me permettre de, je vais voir, de peut-être de remplir, alors je vais voir la bouteille d'eau, est-ce que je peux remplir une tasse, verser dans une tasse vide, oui, voilà. Et il faudrait que je vois ici la tasse, je peux mettre du thé parce que j'ai des sachets de thé. Et j'aimerais bien savoir si la tasse me permettrait de faire ça. Elle est où? J'ai du sucre à la tasse d'eau. Est-ce que je peux mettre, utiliser un verser dans la bouteille d'eau, vous pouvez le refaire l'inverse. Verser sur le sol, préparer une boisson chaude. Il est vraiment très très bon ce truc. Voilà, préparer une boisson chaude c'est bon, boire. Voilà. Donc là je bois du thé. Donc je sais pas ce qu'il dit. Il dit sentiment de lassitude. Voilà, occupez-vous à chercher de quoi. Ok. Alors il se trouve que j'ai trouvé une scie. Donc ce qui me permet de faire, de construire. Mais je ne peux pas là, j'ai pas de bois. Donc, mais avec la scie, vous pouvez construire. Je vais vous dire ce que vous pouvez construire. Des portes, des cadres de portes, des escaliers, un sol, un bar, des meubles, des clôtures. Voilà. Donc là, on va sortir. On va descendre, je crois que c'est par là le truc. Attends, où est-ce qu'il est là? Voilà, on va sortir un peu dehors. Donc vous pouvez dézoomer, hein. Donc ça montrera où je suis. Voilà, vous avez l'heure, il est 10h20, donc ça va. Là on va sortir par ici.
Est-ce que je peux? Il y a une porte. Ah, il y a peut-être une porte. Oui, une porte. Ou pas, je sais pas. Il y a un truc. Ah, il y a encore un étage. Ah oui, quand même, d'accord. Donc là, c'est quoi là-dedans? Ok, les toilettes. Donc là, j'ai pas, on peut pas, j'arrive pas à prendre le bois qui est là, donc peut-être que ça serait, il faudrait que je fasse autrement. Je ne sais pas pour l'instant comment prendre du bois. Vous voyez, quand je suis rentré tout à l'heure dans ce truc-là, j'ai voulu me servir dans le bac à glace là. Et en fait, il y a une alarme qui s'est déclenchée, parce que c'est un magasin. Et donc du coup, il n'y a pas eu de zombies, hein, donc, mais du coup, ça m'a un peu. Si j'avais, j'étais dans un mode plus dur, je serais peut-être mort. Donc voilà, là on est dehors. Constater les sons, hein, c'est pas trop mal, on va dire. Il y a, moi je connaissais la démo du début, enfin depuis, il y a plus la femme, enfin moi je sais pas, ou alors j'ai pas encore joué à ça. Cette femme là qui au début est sur le lit, elle a mal à sa jambe ou un truc comme ça. Enfin là moi j'ai pas fait, hein, pour l'instant j'ai pas fait ça. Voilà. Il y a dans un des, parce que ça fait 4 fois que je joue à ce jeu, dans une des parties, je n'ai trouvé que 2 maisons, c'est tout. Et je me suis perdu dans la forêt quoi. Donc c'est quand même relativement grand. Et puis on est à pied aussi, donc du coup on avance lentement. Donc là vous voyez on peut zoomer. J'aimerais bien rentrer là, mais et là, voilà, le problème c'est que. Et si je force, ça va sonner. Alors il faudrait que ça soit ouvert tout seul. Ouais, je peux pas. Je peux alors je peux casser des fenêtres hein, aussi. Hein. Il peut le faire, mais ça peut encore une fois donner l'alarme. Alors, s'il n'y a personne dans le coin, ah là c'est ouvert, nickel. Là, je suis rentré. Ma maison, j'ai bien le. Bah, vous voyez, voilà, ça c'est une alarme parce que il y a quand même un. Je suis rentré, mais il y a quand même une alarme. Donc, je vais quand même fouiller les. Il y a des zombies, hein. Je les entends, ils tapent les portes. Donc, je vais essayer de trouver des vivres. Voilà, je vais prendre. Ah bah ben j'ai tout pris. Là j'ai tout pris, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Somnifère, un gilet, un coussin. Non, c'est bon. Un gilet peut-être. Un gilet. Ouais, mais c'est bon. Ouais, ici. Là il n'y a rien à mon avis. On va sortir de là. Oh, les zombies, je pense qu'ils doivent être en bas. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils doivent. Oh, c'est génial comme truc. Oula, il y en a un qui est proche là. Il doit être dans la salle de bain ou un truc comme ça. Donc là, je vais prendre vite ce que je veux et je pars. Une balle? Ah oui, il y a des balles de 9 mm. Mais j'ai pas trouvé de. Ouais, j'ai pas trouvé de munitions, donc d'armes. Pour l'instant, je prends pas. Donc là, vous voyez, vous pouvez zoomer ou alors dézoomer selon. Oh, il y a des maisons aussi à côté. D'accord. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un zombie par là. Je peux pas. Je sorte ce côté. Alors, je l'ai pris robuste pour pas être embêté, quoi. Qui mange, qui stresse, etc. Donc, j'ai mis. C'est mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux là pour l'instant. Il n'y a rien. Ah, si, quand même. Prendre bœuf séché, prendre, ok. Donc ça m'a assez séduit et surpris quand on peut prendre un drap, on peut le mettre aux fenêtres et fermer le drap. On peut comment dire escalader une clôture, ouvrir une fenêtre, casser une fenêtre, passer au travers, ce genre de choses. Donc, je trouve ça assez sympa. Qu'est-ce qu'il veut là? Lassitude, il veut de l'action, lui. Alors vous avez toutes sortes de métiers, pompiers, mécaniciens, enfin, ce genre de choses-là, dans le profil, hein, quand vous créez, là je suis en mode sandbox, donc quand vous créez, ben, vous pouvez faire voilà, ce que vous voulez. Quand vous mourrez actuellement sur Steam, le jeu quitte, le jeu ferme. Donc, c'est peut-être, voilà, un drap là, je vais en prendre. Attends, est-ce que j'en. Ah, une ceinture! Qu'est-ce que je ferais d'une ceinture? Cigarette, non, je pense pas. Non, je vais laisser. Je vais pas prendre une ceinture, j'en fais rien. Là, il n'y a rien, on l'a vu. Et là, il y a quoi là? Ok, salle de bain.
Alors ça joue au clavier, main gauche, hein, et main droite la souris. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Un briquet, un gilet, un drap, non, c'est bon. Là où je suis, j'ai des draps aux fenêtres, donc du coup, c'est plus de la nourriture qu'il me faut. Il n'y a rien. Ok, et là. Ah, oh, il y a plein de trucs là. Est-ce que je peux prendre? Une salade, je vais prendre des carottes, une banane. J'ai pas trouvé de sac à dos, hein, donc ça peut, je pense, étendre mon loot, mais j'ai pas trouvé. De la ham, je sais plus ce que c'est. Tomate, voilà, c'est bon. Et raisin, on va le manger maintenant. Voilà, allez, hop, il est en train de manger. C'est quoi ça? Il est toujours lassé, bon, pas très grave. On va aller par là. Alors j'ai qu'un couteau, hein, j'ai pas de batte ou quoi, donc c'est un peu limité pour me défendre. Oh, les maps sont. Oh, une bougie. Non. Et là, il n'y a rien non plus. Qu'est-ce qu'il veut là? Un sentiment de lassitude. Ça, on avait compris. Et ça, c'est quoi ça? Je sais pas. Il y a un truc. Il y a une icône qui est apparue, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, ouh, une orange. On va manger ça. Crème glacée. Allez, mange. Voilà. Toujours ça de prix. Ici, dans le bureau, il n'y a rien. Là, c'est un lit. Je vais pas dormir là, hein, je pense pas. Somnifère, ouais, tiens, je vais en prendre. Parce qu'il a l'air un peu stressé, le mec, là. La jupe, on va prendre une jupe, mais on va la découper en bandage. Voilà. Qui fait qu'on pourra. Là, il est 16h10, bon, tout va bien. Continue l'exploration. Alors pour un jeu un peu en pixel, il est assez précis, je trouve, dans les actes que vous allez faire, c'est dans les actions plutôt, et je trouve ça assez séduisant d'ailleurs. Ouais, on descend. Je suis pas passé par là tout à l'heure, je crois. Ça va sonner. Quand je vais ouvrir, ça va sonner. Non? Là, c'est fermé. Ouais, d'accord. Si je re-rentre, ça va. Bon, je vais fermer ici, puis voilà. Alors, où je suis? Ok, je vais aller voir ce que je peux faire ici, là, éventuellement. Ah, il court plus, il doit être. Je vais retourner à ma maison. Il est trop chargé, je suis trop chargé en truc, donc je vais vite retourner. Sans courir, hein, je peux pas faire autrement. Passer par là. Ah, somnol, devrait aller se coucher. Ah bah dis donc. Là, si le zombie me. Voilà, c'est bon. S'il me court après, là, il me tue. Il est fatigué, donc on va. Il faudrait vite que je trouve ma maison, vraiment. À mon avis, là, c'est pas gagné. Je crois que c'est celle-là, là, la grosse qui est ici. Je suis pas sûr. Oui, c'est celle-là, c'est celle-là. Ça doit être celle-là. Il faut. Je vais essayer de marcher un peu plus vite. Monte pas les escaliers. Ah, quand même. Allez, vite, 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 vite. Je suis un peu perdu là. Police? Oh, mais c'est là. Là, par contre, je vais trouver certainement des flingues. Mais je peux pas dormir chez la police quand même. Non, il faut que je retourne. Où est-ce qu'elle est ma baraque? Oh là 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 là. Je suis perdu. 17h40, ça va. Faut pas aborder 20h parce que là. Attends, c'est pas possible. Bon, je sais qu'il y a un commissariat de police, donc j'irai certainement après. Là, il y a une maison. La mienne, je sais plus où elle est. Ça craint. Peut-être. On va, écoutez, on va prendre celle-là. Je sais pas si c'est ça, mais je vais essayer d'aller là-dedans. Peut-être que c'est celle-là, je ne sais plus. Je crois pas. Et on peut, ça va même pas s'ouvrir s'il faut. Oh, il y a un zombie. Bien sûr, c'est pas. Oh là 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 là, quelle galère.
Non, c'était pas ici. C'était un escalier extérieur. Ah, je vais essayer d'entrer par là, peut-être. Non plus. Et là, il y a une porte là aussi. Et par là, on peut pas rentrer non plus. D'accord. Bon, bah, on quitte. Ah, c'est galère, hein. Bon, bah, finalement, je crois qu'on va peut-être aller au commissariat. À moins que je trouve ma maison de suite là. Je vais essayer de manger un truc parce que j'ai l'impression qu'il est. Je vais manger des radis, tiens. J'ai l'impression qu'il est trop. Ah, il est trop chargé, voilà, c'est mieux. Il est trop chargé en objet, donc du coup. Est-ce que c'est ma maison par là? Ah, il est refatigué. Faudrait qu'il y ait l'escalier externe là. S'il y en a un, c'est bon. Je vais passer par là, je vais voir ce qu'il y a. Où je dors là, c'est pas grave. Ah, ça marche. Ah, ben c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Tant mieux, j'ai de la chance. Donc je vais aller tout poser en haut. Donc normalement là, je risque rien puisque ils m'ont pas vu. Il n'y en a pas beaucoup des zombies en plus. Donc, mais je vais quand même faire comme ça. Hop. Je vais faire ça en ferme. Je vais allumer un peu pour que. Voilà. Ah, il allume pas. Attends, il n'a pas allumé là ou quoi? D'accord. Ou alors j'ai plus d'électricité, je ne sais pas. Bon, peu importe. Je vais poser tout ça au frigo. Alors, les tomates, je pose. Le steak, je pose. Le ham, là, je sais pas ce que c'est. Je pose. C'est du fromage, non? Peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Carottes, je pose. Bol d'eau, allez, je pose. Beurre de truc, je pose. Banane, je pose. Bon, le bol d'eau, je vais le prendre. Bœuf séché, je pose. Voilà, je vais me prendre un somnifère et on va aller dormir. Ouais, somnifère. Il va prendre un somnifère. Mettre dans le. Utiliser. Prendre des pilules. Voilà. Hop. Maintenant, je vais aller ici, dans ma chambre. Je ferme la porte. Et je vais dormir. Voilà. Donc là, il est 20h et des brouettes. Là, le temps passe. Il est 23h. Minuit. 1h. 2h. 3h, 4h, 5, 7, 8h, 8h30, parfait. Parce que sans les pilules, il s'était levé à 4h et quelques, je crois. C'est parfait, il pleut apparemment. Donc ça c'est bien. Alors maintenant, je vais essayer de voir si je peux pas poser des trucs ici, dans l'armoire. Une tasse vide, un pantalon, une jupe, je vais la déposer. Un gilet, il a sur lui. Hop là, attends. Un bol d'eau, non, c'est bon. Alors, on va se faire une boisson chaude. Donc, une tasse vide, on va. Alors, pas ici, hein, il faut aller dans une bouteille. On va déjà dans une bouteille. Bouteille d'eau. Clic droit, verser dans une tasse vide. J'ai deux sachets de thé, je pense. Et on va aller dans la tasse d'eau. Verser. Non. Ah, j'ai plus de thé. Il n'y a pas à faire une boisson chaude. Ou alors il faut que je sois dans la cuisine, peut-être. Peut-être c'est ça. On voit. Alors dans la cuisine, je vais voir si je peux allumer. Hein. Je vais voir. Avant que ça soit déjà allumé, je ne sais pas. Peu importe. Bon, je vais peut-être. Ouvre là, ouais, ouvrez le rideau. Voilà, ça sera déjà un petit peu peut-être mieux. Alors, si je suis là, est-ce que je peux. Non, je vais pas construire. Une tasse d'eau, verser dans le bol, utiliser l'objet secondaire, déposer. Non, c'est pas bon. Un livre, je m'en fous. Est-ce qu'il y a du thé? Non. Je vais manger une banane. Oh, mais non, pas prendre, manger. Allez.
manger, voilà. La bouteille d'eau, qu'est-ce que je fais? Je peux rien en faire. Ici, je peux rien faire. C'est quoi ça? Non. Analgésique, non, ça va. Briquet, qu'est-ce que je peux faire avec le briquet? Rien. Ok. Donc là, je vais peut-être sortir. Alors, est-ce que je peux déposer encore des trucs? Je vais peut-être prendre un paquet de graines pour voir si je peux pas planter devant la maison des trucs. Boîte de thon, allez, on va manger du thon, c'est pas terrible, mais bon. Ouvrir une boîte de thon parce que j'ai un ouvre-boîte. Si j'avais pas d'ouvre-boîte, il m'aurait dit non. Hein. Et là, je mange du thon. Voilà, je vais me remplir de l'eau, remplir la bouteille d'eau, voilà. En même temps, je vais boire. Voilà, je vais voir si je peux déposer encore des trucs. J'ai des ciseaux aussi, je sais pas à quoi ça me sert. Oula, il y a quelqu'un qui tire. Tiens, je suis pas seul. Alors attends, ah, je sais pas si je suis, s'il y a des survivants ou quoi. Alors ça, par contre, fermer les rideaux. J'ai entendu un coup de feu de l'autre côté. Alors on va, je vais descendre, je vais voir. Il n'y a rien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dedans? Non. Ok. On va... Je vais sortir de l'autre côté, je pense. Là, il n'y a rien. Dans les trucs, là, il n'y a rien. Est-ce que je peux éteindre ou allumer ici ou pas? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si j'ai éteint ou allumé. Là, si j'ouvre, à mon avis, vers l'alarme. Voilà, donc là, on reste comme ça. Alors, j'avais dit que j'allais chez les flics. Donc, on va essayer d'aller chez les flics. C'était par là. Donc, c'est nettement plus joyeux. Oh, il y a même une station-service. Cool. C'est nettement plus jouable là parce que quand c'est en dur, enfin fait, après chacun prend son plaisir, hein, mais je veux dire, moi je préfère comme ça. Il y en a, il y a des zombies, ok, mais voilà, c'est pas que ça. Oh putain, il y en a dedans. On va pas y aller parce que là, ça va déclencher l'alarme en plus. Alors dans le jeu, ils disent ne courez pas parce qu'en fait, vous faites repérer. Tiens, il y en a un par terre aussi là. Je vais essayer d'aller voir là ce qu'il y a, je sais pas ce que c'est. Il y a quoi là-dedans? Un sac de béton. Waouh! Ah, et des clous. Alors ça, c'est bien. À mon avis, un sac de béton, je peux faire un mur. Je pense que ça doit être ça. Mais ça doit être super lourd si je le prends. Ça marche pas. Un truc d'assurance. Est-ce que je peux casser? Non. L'arbre, je peux faire un truc ou pas? Non plus. Je vais voir si je peux rentrer ici. Non. Ok, la fenêtre, est-ce que je peux faire un truc? J'essaie d'ouvrir. Hein. Ça fait rien. Ici. Non plus. Peut-être la police, on va arriver à la police là. Tout est fermé. Ok. Je suis par où là? Ah! Faudrait vraiment que je trouve la police là. Ah, c'est ça. Oh, il y a une banque. Ah, ben là, la banque, je suis sûr que jour il y aura des. Ça va sonner, on va rigoler, à mon avis. Non, ah, ça se voit pas. De toute façon, l'argent là, j'en ferai rien. À moins qu'il y ait des marchands, mais ça m'étonnerait. Donc là, ça c'est la police, ça c'est sûr. Donc je vais, voilà, je vais rentrer là-dedans. Là, je casse la vitre. Hein, je. Voilà. Est-ce que je peux la casser? Ouais, casser la fenêtre. Passer par dessus, c'est pas grave, il va y avoir une alarme, mais c'est pas grave, il me faut un fusil. Donc vous pouvez noter que les bruits sont sympas. Ah, mais il n'y a pas d'alarme, c'est marrant ça. Il doit y avoir l'armurerie, etc.
je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a là. Alors je peux trouver des zombies hein, à l'intérieur, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc, là, il n'y a rien. Bon, la molette c'est bien pour zoomer parce que tiens je vais boire. Parce que ça nous permet de fouiller un petit peu mieux. J'étais hésitant à faire ce jeu parce que en vidéo parce qu'en fait il est assez sombre, enfin la nuit et tout, puis au début j'étais dans la nuit donc je me suis dit peut-être pas, puis en fait finalement voilà. Si vous avez connu l'autre jeu, sachez que c'est pas le même. Hein. C'est pas. Il est vraiment amélioré hein, celui-là. Alors là le but c'est. Oh cool des casiers. Oh putain, super. Alors une blouse, ok. Ah il y a la température aussi de la température de la blouse. Parce que là je joue dans des conditions standards, mais un stylo. Il faut savoir aussi qu'il peut faire froid, il peut pleuvoir. Vous pouvez avec un torchon vous sécher. C'est vraiment pas mal. Ah c'est les douches là, ok. Bon, il faut que je trouve l'armurerie. Vous pouvez aussi mettre un torchon sur votre visage, je crois, pour que si vous toussez, ça ne s'entende pas. Là, ça va sonner. Je sais pas, là, la porte, elle est bizarre. Oh, yes. Alors, il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien. Là, oui, il y a un portefeuille. Des balles. Bon, je vais prendre, allez, prendre la totalité. Voilà, je prends la totalité de l'inventaire. Est-ce qu'il y a un flingue, là? Non. Alors la scie, je l'ai pas trouvée à chaque fois. Hein. En 4-5 parties, c'est la première fois que je trouve une scie. Donc, Ah, il y a des... Oh, cool, un pistolet. Utilisant l'objet principal. Qu'est-ce que c'est? Un sac à main? Non. Des somnifères, ouais, j'aime bien. Finalement, c'était bien, ce truc. Prendre. Drap, c'est pas la peine. Alors, avec les draps, vous pouvez faire une corde aussi. Une corde à linge. Ou alors une batte de baseball. Yes, ça je prends en secondaire. Prendre un objet secondaire. Je sais pas comment passer de l'un à l'autre par contre. Ok, donc là maintenant, normalement, là j'ai un flingue. Normalement j'ai un flingue et pas un couteau. Ouais, c'est bon, j'ai un flingue, c'est bon, c'est bien ça. Ici, il n'y a rien. Parce que quand vous frappez les zombies, ils se relèvent après. Vous les frappez, ils vont tomber. Alors au sol, vous pouvez les éclater, ok, mais des fois, ils se relèvent et vous n'avez pas le temps. Ah, chiotte. Voilà. Allez, on va. Il est quelle heure là? 16h30. Je vais arrêter la vidéo quand je vais me coucher dans le jeu. Hein. Donc, j'arrêterai la vidéo. Là, je fouille un peu dans les bureaux. Je rebois. Il y a un petit truc en haut là. Très lourd de charge. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que... Ouais. À mon avis, boire. Alors, qu'est-ce que je pourrais manger pour me séparer? Paquet de graines, ouais, allez, déposer. Pas grave. Oh, quoi que je vais les prendre. Non, je vais les prendre. Non, je les prends. Je vais les prendre. Ouais. Prendre, j'ai dit. Il y a un temps pour qu'ils les prennent. Ok, on va aller. On va repartir et je vais aller dans la maison certainement. Bah là, on s'en fout, on peut partir de là. Je vais aller devant ma maison et je vais essayer de voir si je peux pas planter ces. À moins qu'il me faille un râteau ou un truc comme ça. Allez hop. Alors j'ai pas réussi à prendre de la matière première, du genre du bois, du fer, des trucs comme ça. Alors le bois, je sais pas comment le prendre, donc je verrai la prochaine fois. Là, on va passer par-dessus. On va se casser par là. Alors, je crois que c'est par là, ma maison. Qu'est-ce qu'il a? Il est très lourd et il est essoufflé, certainement. Il a des poumons, là. Il y a des poumons qui apparaissent.
sais pas si c'est ici. Non, c'est pas là. Ouais, ça va être là, là. À mon avis, le prochain pâté de maison, c'est là, je pense. Non? Ouais, peut-être. Ouais, je crois. Donc, on va aller là. Il se déplace lentement. Donc, tous ces trucs-là, c'est du décor. Hein. C'est... Enfin, je... on n'a pas. J'ai pas. Il n'y a pas d'interaction là-dessus. Alors, ouais, c'est là. On va aller, on va ici. Hein. C'est bien parce qu'il y a tout à l'étage dans cette baraque. Alors je pourrais fortifier la porte en mettant des planches ou des trucs comme ça. À mon avis, ça c'est possible. Il est super chargé, c'est pour ça qu'il n'avance pas. Allez, allez, grimpe. Voilà, je suis tranquille en haut. Franchement, c'est le mode avec zombie, j'ai mis low. C'est vraiment plus plaisant. Hein. Ok. Alors, hop, on va poser plein de trucs. Salade de quoi? J'ai vu une salade quelque chose. Salade de pommes de terre, voilà. Ça, on va le poser ici. Paquet de graines, ben, je verrai plus tard. Hein. Je sais pas, là, pour l'instant, je vais pas utiliser. Je verrai. Pistolet, j'ai une scie, un pistolet, un pantalon, un ouvre-boîte, un gilet, un couteau de cuisine que je vais déposer au frigo. Ouais, bof. Non, pas au frigo, je vais le déposer ailleurs. Des chaussures, un briquet, une bouteille d'eau. Ah, il a faim. Bon, ben, on va préparer. Donc, je vais prendre le steak. Je vais voir ce que je peux faire avec. Alors, steak. Que je mange cru ou pas, mettre dans le conteneur, manger. Pff, la viande crue, c'est pas top. Hein. Bon, le steak, je vais le reposer dans le frigo et je vais manger la salade de pommes de terre. L'œuf, je vais certainement pas le manger. Je vais prendre des carottes, je crois que ça marchait tout à l'heure, et je vais remplir mon bol. Je sais pas si je l'ai ici. Ouais, un bol, voilà. Donc là, je vais utiliser non. Alors, il faut que j'aille avec la bouteille d'eau. Et où cette bouteille d'eau? Voilà. Voilà. Bouteille d'eau, clac. Voilà. Là, je vais verser dans le bol. On peut verser au sol l'eau. Je vois pas l'intérêt pour l'instant, mais à part l'électricité. Voilà, donc là j'ai versé dans le bol. Le bol, je fais clic droit et je fais. Il n'y a pas eu. Aïe, on peut pas préparer une boisson chaude. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Steak, tomate. Bœuf séché, ça je peux le manger. L'œuf, on peut pas le. Non, je vais pas le manger, ça c'est sûr. Je sais pas faire du feu, c'est ça le problème. Je sais pas. Donc on va venir, on va allumer, parce que là il fait nuit, hein, vous pouvez voir dans l'appartement il fait nuit. Je vais allumer. Ah, ça ne s'allume pas. Alors je dois être fatigué. Donc je vais aller me coucher. Ouais, je vois ça. Hop là. Allez. On va prendre un somnifère. Ouais, non. Avant on va prendre un somnifère. Somnifère. Prendre des pilules. Dormir. Yes. Voilà. Donc, on va quand même faire une petite matinée voir. On va voir quand est-ce qu'il va se réveiller. Là, je me suis couché assez tard. Donc, à mon avis, il devrait se lever vers 10h, 11h, un truc comme ça. Là, il est 7h. 8h. On entend encore des coups de feu. Ou alors, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'entends. 9h10. Parfait. Ok, vous pouvez voir que la vue, le alors je sais pas pourquoi il a ses, le contour. Ok, attends, il faut allumer ou pas? Il a la vue qui est bizarre, donc je ne sais pas pourquoi.
Ah, trouble 2, trop lourd, très lourd de charge. Bon, mais oui, mais on va déposer. C'est peut-être pour ça qu'il a la vue comme ça. Alors, sucre, on pose. Somnifère, on pose. Ouvre-boîte, on pose. Je ferai plus tard ici. Couteau de cuisine, on pose. Clou. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Utiliser un objet principal? Non. Les clous, je vais les laisser là. Les ciseaux aussi. Chaussures, carottes. Carottes, ça va pas ici. Ça va dans le frigo. Briquet, pareil. Je vais laisser là. Bouteille d'eau, je garde. Batte de baseball, je garde. Des analgésiques, là, je sais pas quoi, je mets au frigo aussi, pardon, c'est du médicament, donc voilà. Ok, on va laisser comme ça. Voilà, et là je suis, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, c'est. Par contre, ma vue est obscurcie, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Quelque chose qui il doit avoir quelque chose, je pense. Je vais refouiller un petit peu ici. Une cuillère, une tasse vide, non. Alors si je fouille là dans le truc, là je vais fouiller, non, peut-être qu'il va sonner. Alors qu'est-ce qu'il y a? Du pâté pour chien, un briquet, un couteau à beurre, un ouvre-boîte, non. Rouleau à pâtisserie, bof. Ici, c'est là où ça a sonné tout à l'heure. Un crayon, une fourchette. Ok. Allez, on sort. Voilà, ce qui est mieux. Ah non, bah, c'est dans la maison, c'est comme ça. Voilà, on peut dézoomer donc. Dans les devoirs un peu. J'ai pas la carte, hein, la map. On peut bloquer le temps. Je vois pas trop pourquoi. Là, je bloque le temps. Ah, ben je joue plus, d'accord. Okay. Ouais, on peut faire une pause en fait. Donc là, je vais aller direction la poubelle, voir s'il y a quelque chose. Oh, des piles. Impeccable. Si je trouve une torche au moins, ou autre chose. Alors, en résolution, je suis en 1280, j'ai pas voulu mettre en super résolution, hein, pour avoir justement un graphisme assez gros, pour bien voir, parce que sinon vous cassez les yeux dessus, vu que c'est déjà petit à la base. Donc là, on va aller en face, après je vais arrêter, hein. Moi, vous aurez vu un petit peu le jeu, mais juste avant de quitter, j'essaierai de vous montrer la création d'un perso. C'est rien, hein, c'est pas sûr. Bon, remarquez, je vais peut-être le faire. Ouais, je vais peut-être le faire. Je vais stopper ici. Comment je fais? Sauver. Ah, mais je peux sauver. Voilà. Quitter. Oh, quitter, il va quitter, je pense. Il va pas. Ok. Donc, si je le lance. Donc là, il se lance. À chaque fois, il fait ça. Hein, donc, en tout cas, il plante pas en jeu, c'est déjà ça. Lance, voilà, là il y a ça. Il y a de la musique en appuyant sur M, vous pouvez couper la musique pendant le jeu. Donc voilà, vous avez un mode, des modes, carrément des modes. Vous avez Ah, YouTube va me. Voilà, YouTube va me courir derrière, donc je vais couper le son. Je reviens. Donc vous avez mode, ici j'ai pas cliqué, je crois que c'est pour télécharger quelque chose, je pense. Sur un mode survival, donc survival, ça doit être le, à mon avis, je pense qu'il n'y a rien à régler, hein, je pense que vous êtes en mode survie. Mode sandbox, last sand, je sais pas, on dirait que c'est des défis à faire, un truc comme ça. C'est dernier, je crois que c'est ça, hein, à mon avis. Sandbox, donc si je vais dessus, effectivement, il y a mon personnage, mais je peux faire nouveau. Je fais nouveau, j'ai droit à deux villes. Donc il y a une population de 3500 habitants, une population de 4002. La première qui s'appelle Muldrod, là, Muldrock, j'y suis allé et je me suis perdu. En fait, j'ai pas trouvé de maison. Il y en a, hein, pourtant, mais je me suis perdu. Et après, il y a West Point, c'était où j'étais tout à l'heure. Donc là, si je fais nouveau ici, ça va pas m'écraser l'autre. Hein. Voilà, là, je dis, je suis en normal, zombie, distribution, je sais pas, urban, voilà. On peut faire uniforme. Ah, vous pouvez faire en uniforme ou en habillement urbain. Survivant, on peut pas toucher. Le pour agir sur le temps, les options.
Vous avez water, à mon avis, ça doit être la quantité d'eau, quoi, s'il pleut, tout ça. Électricité aussi. Là, on a, je sais pas, 0,2 mois, je vois pas trop ce que ça veut dire. Loot, il y a du loot là, si c'est rare. On peut faire extrême, rare, ou alors normal, ou abondant. Température, donc vous pouvez faire la température, froid, de froid à chaud. La pluie. Donc une fois que vous avez réglé ça, vous faites play. Et ici, vous avez choisi entre un homme et une femme. Là, à chaque fois, là c'est Margaret. On change, on prend un mec. Là, c'est Sean. Voilà, on peut faire random. Donc on peut voir après que il va. Voilà, là c'est une femme maintenant. Là, hop, je repasse à un mec. Vous voyez, on peut voir le profil. Type de corps, couleur de peau. Enfin voilà, vous faites suivant. Et après, vous jouez. Là, je fais un retour parce que j'ai pas envie de créer. Ensuite, en survival. Survival, choisissez une map pour votre nouveau monde. Alors, ça doit être pareil, mais peut-être un peu différent, je ne sais pas. On va voir. Donc là, bon, on va prendre Harry. Voilà. Il a un look de militaire, d'ailleurs. Et suivant. Alors là, alors oui, ici, on peut... Ça, je ne vous l'ai pas dit. Après, on peut choisir. Donc, il y a des compétences. Donc, vous avez des compétences positives et des compétences négatives. Pour mettre des compétences... Mettons positive qui est de vous êtes brave, donc ça vous fait 3 points. Il faut absolument trouver un défaut avec les points atteignent 0 en fait. Là on est à moins 3. On est brave, on est à moins 3. Maintenant il faut que je peux dire claustrophobe. Mettons, je vais ajouter. Et ça va me rajouter plus 4. Donc du coup, il va me rester un point de compétence encore à mettre. En fait, plus vous mettez de... Il faut équilibrer entre les défauts et les qualités. C'est pas mal pensé d'ailleurs. Voilà, vous ne pouvez pas faire un type qui est fort, robuste, comme ça. Parce que si vous lancez le jeu, ça ne marche pas. D'ailleurs, il ne marche pas. Il vous faut une contrepartie. Donc, il est peut-être courageux et robuste, mais il va avoir un problème de surpoids, mais il va être claustrophobe, mais il va être myope. Voilà, une fois que vous avez fait ça, le point qui reste, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous faites jouer. Et à partir de là, ça joue. Mais juste avant, là, juste avant, je vous ai pas parlé de ça. Donc lui est au chômage. On peut faire un pompier. Donc apparemment, il y a des compétences qui s'ajoutent de bûcheron. On peut faire un officier de police. Un tireur d'élite. Un ouvrier. Un agent de sécurité, etc. On revient. Voilà. Et ici, on va aller dans Last Stand. Last Stand. Voilà, et ici il y a exemple challenge. Donc c'est des challenges. Il y a marqué préparez-vous avoir peut-être des vagues de zombies ou un truc comme ça. Résiste, ouais, voilà, résister à la horde avec apparemment un shotgun. Et l'autre challenge, c'est préparer pareil. Est-ce que c'est pareil? Ah, de tous les côtés. En fait, là vous êtes attaqué de tous les côtés, je crois. Un truc comme ça. Bon, en tout cas, voilà. Donc, vous avez vu, il y a donc un mode challenge, un mode sandbox où vous avez vu au début de la vidéo, un mode survival. Je l'ai pas joué encore, mais à mon avis, je sais pas. Peut-être qu'on a vraiment rien de rien de rien. Je ne sais pas. Quoique, quand on commence, on n'a pas grand-chose déjà. Et le mode, je vais pas cliquer, mais c'est à mon avis un téléchargement, un truc comme ça. Voilà, je vais vous laisser là. Et je vais retourner donc à mon jeu. Donc ici, on l'a pas créé. Donc on peut faire supprimer. Voilà. Et lui, ben, je vais rejouer dessus. Voilà. Et je vous laisse donc. Si vous avez. Vous pouvez avoir la démo, en fait, hein, sur PC. Donc là, c'est un jeu exclusivement PC d'ailleurs. Essayez la démo. Je pense que ça doit être la nouvelle démo et pas l'ancienne. Et puis, ben, à vous de voir. Il est à peu près à 13 euros. Voilà. Merci et au revoir.